Moi, ce que je kiffe, c'est ce tunnel là. Vous allez comprendre pourquoi je le kiffe. Attention. Oh bordel. On s'en rendra pas compte à la vidéo, mais ça a fait un boucan. Oh non, il commence à pleuvoir. Comment je déteste rouler sous la pluie. On a vraiment un temps de merde. 70. Il n'y a pas de voiture radar cette fois-ci. On peut starter un petit peu quand même. L'autre jour, je me suis fait choper par la police banalisée ici. Je suis désolé, mais dès que je vois un tunnel, enfin, ce qui ressemble à un tunnel, je suis obligé de m'arrêter. Oh. Là, je suis en train de réveiller tout le monde. Bon, on va arrêter. C'est pas bien ce que je fais. On va faire demi-tour. Personne. Mon casque, il est bien attaché. On va fermer la visière parce que vous m'entendez mieux la visière fermée. J'enlève la béquille, je démarre la baie, petit coup de gaz, on y va. Regardez-moi ce demi-tour de génie. Hop, hop, hop. Bah, bah. Je sais, j'ai pas trop le droit d'être là. C'était pour une expérience. Oh là là, ma grosse tête. J'ai envie d'acheter un nouveau casque, mais le problème c'est que quand je vais dans un magasin, je leur demande pas, ouais, vous avez telle marque ou telle couleur. Je leur dis, ouais, vous avez quoi en tripixel. Généralement, ils ont deux ou trois modèles et après je fais mon choix. Ma grosse tête. Gros, j'ai tellement une grosse tête que quand je vais au karting, je suis obligé de ramener mon propre casque. Le mec, je lui dis, ouais, monsieur, vous auriez pas du triple XL. Le mec, il fume du crâne. Mais non, monsieur, on a que du XL max. Je vais écouter, je vais ramener mon casque. Tout droit, j'aurai le temps. J'aurai le temps que ça avant. Bam bam. On va rouler tranquille. Et j'oublie toujours d'enlever mon clignotant, c'est incroyable. C'est comme ça que tu reconnais un vrai motard, enfin un motard qui est motard plus longtemps et un jeune motard. Le jeune motard, il oublie toujours d'enlever son clignot. Et moi je fais partie de ceux qui. Hop, par exemple là je mets le clignot. J'appuie mille fois. Mille fois sur le bouton pour être sûr et certain de l'avoir bien éteint. J'ai appris il n'y a pas très longtemps à faire des flammes avec le coupe-circuit. Alors je sais, c'est pas bien, ça nique le moteur, etc. Mais bon, de temps en temps. On va à droite. On va à droite ou on va tout droit? On va à droite. Hop. Pour enlever mon clignot. Tac, 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 tac. Zone 30. Ok, on va rouler à 30. Comme vous pouvez le voir, je peux voir à quelle vitesse je roule. Ah, fin du zone 3. Eh mais c'est incroyable ces projets de construction. Mec, il y a 6 mois, il n'y avait pas ce bâtiment. Enfin, c'est dans toutes les villes. Dans toutes les villes, ça, c'est comme ça. Et vraiment, même ce bâtiment, il était pas... Enfin si, il était là, mais rénové aussi vite. Ah, c'est beau en haut. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais en haut, c'est très beau. Dans toutes les villes, les bâtiments, ils poussent comme des petits champignons. Ça construit ultra vite.
Frérot, c'est 50, c'est pas 30. Hein. Des fois, les gens, ils abusent, frère. Tu sais, comment je déteste ces gens. Ils voient un radar, je sais pas, par exemple, limité à 30, ils vont rouler à 15. Oh, frérot, tu vas pas gagner des points hein, en roulant à 15 au lieu de 30. Orange. Mais franchement, je m'estime très chanceux parce que je me suis fait contrôler 0 fois depuis que je l'ai. Je l'ai depuis 2 mois, je sors littéralement, enfin littéralement, je sors quasiment tous les jours avec. Je roule sans chicane, alors je sais là je vais me faire insulter. Je roule sans chicane, sans kata, et pour l'instant je me suis fait contrôler 0 fois, j'ai beaucoup de chance. J'ai d'autres potes à moi qui ont beaucoup moins de chance, qui se font contrôler à chaque fois qu'ils sortent. Ça se trouve je dis ça et demain la série elle va commencer. Oh, plus d'essence. Oula. La moto elle m'a fait ça. Je sais pas c'est quoi. J'ai pas compris. Le bus qui sonne. Oula, attends. J'essaie de comprendre pourquoi elle s'est éteinte. La béquille qui s'est mise. Non. Et pourquoi elle a arrêté d'accélérer? Ah, il y a l'ITER. Il y a 2 minutes, j'ai dit que c'est une moto fiable, ça y est, maintenant je suis maudit. Putain. Bizarre, bizarre, bizarre tout ça. Ah putain, ils sont fermés. Ah, fait chier. Est-ce que le petit Z1000, alors je sais pas si c'était un Z1000, j'ai pas bien vu, j'étais en train de lire en même temps. Est-ce qu'il m'a suivi? J'espère. Oh non. Qu'est-ce que je déteste la pluie, bordel. Oh, oh non. Bon ça va, c'est une petite pluie. Wesh, wesh. Ah, j'ai failli tomber à cause du vent. Oh mec, c'est plus du vent là. C'est une agression. Ouais, oh là là. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut une moto qui pète. On veut une moto qui fasse du bruit. Oh oh. Merde. La petite technique. Voilà, là elle fait plus de bruit. Alors attention, j'ai une vraie excuse. J'ai la chicane sur moi, mais j'ai perdu la vis. Et je vous promets que j'ai vraiment perdu la vis. Mais c'est la police là-bas. Ça se trouve, ils m'attendent.